Amis Tabavou, on est bien heureux de vous retrouver ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Bon à savoir d'aujourd'hui parlera sur la puissance mystique, on va dire comme ça, de l'escargot. Ou encore le pouvoir occulte de l'escargot. L'escargot à la base est un animal hémaphrodite, moitié mâle, moitié femelle. Si on décrit l'escargot, vous allez vous rendre compte que l'escargot a deux formes, une coquille et une chair. La coquille représente, avec sa forme spirale, représente le cosmos. Oui, il faut que vous le sachiez. Et il représente par sa plaque d'en haut le soleil. Par contre, le côté humide, quand vous vous renfermez, souvent ça ressemble à la matrice, donc le côté féminin, donc le côté lunaire. En réalité, avec la magie, on peut faire le bien et le mal. Avec l'escargot, ok, avec même sa coquille, on va commencer par là, on peut faire des produits à caractère cosmétique. Oui. Avec l'escargot, on peut faire les produits à caractère diététique. Sa coquille. Avec la coquille d'escargot, on peut faire plusieurs choses. Même les sorciers utilisent la coquille d'escargot pour faire des avions, pour faire des sorties, pour faire des avions astrales, c'est-à-dire des actions, pour faire les voyages interastrales. La coquille d'escargot. La coquille d'escargot est utilisée aussi pour les enfants qui ne parlent pas. Bien évidemment, ça s'accompagne avec certains écorces spécifiques, certains feuilles spécifiques. Qu'on compose, on fait boire cet enfant de l'eau avec la coquille d'escargot pour qu'il puisse délier sa langue. On le suit aussi la même coquille d'escargot pour masser les pieds d'enfant quand il n'arrive pas à parler. Bien entendu, ça s'accompagne avec certains poudres, certains huiles déjà travaillées. Oui, la coquille d'escargot fait beaucoup de choses. Avec la coquille d'escargot, on peut protéger sa maison. Mais bien évidemment, il faut un couteau à double tranchant, vous allez traverser les deux en fait. Avant de mettre, vous prenez d'abord un parchemin végétal que vous allez écrire ou animal parce qu'il est, il est à la terre, il est, vous savez, c'est un animal qui mange les vers, il mange la terre, il mange les zèbres, il est omnivore, mais beaucoup plus, il mange beaucoup plus de zèbres. Alors, vous coupez donc le papier végétal, un parchemin végétal, vous écrivez, vous faites d'aujourd'hui Saint-Michel, par exemple. Vous pliez en quatre, vous envoyez ça à l'intérieur de la coquille d'escargot. Ensuite, donc maintenant, vous prenez le piment négriné, vous faites vos vœux, vous crachez dessus, vous envoyez le couteau là à l'intérieur. Vous percez d'abord au préalable pour ne pas vous faire mal. Et puis vous envoyez ça délicatement, sans que tu y prends du temps. Vous mettez ça sous votre lit. Quand le sorcier viendra pour vous attaquer, il ne verra rien. Il verra une forteresse. Il ne vous verra pas. Tous les balles missiles qu'on va envoyer, ça va absorber, ça reste au-dessus. Parce que ça ne sera plus l'escargot que vous voyez là, ça sera un tank, un blindé. L'escargot. Par contre, si vous laissez ça juste l'escargot, si vous laissez juste l'escargot comme ça, un magicien, bon, un sorcier peut dombrer ça, peut envoûter ça. Ok, on appelle ça quoi? Il y a un thème là, on appelle ça comment? Pour totémiser ça en fait. Et puis, votre maison devient un ariot flotte, comme disait quelqu'un. Avant de vous dire davantage, pour suicider. Hello, connaissez-vous RM Travel? RM Travel est une agence qui vous facilite les voyages pour les pays tels que le Canada, la France, la Belgique, la Corée du Sud, le Japon et bien d'autres. Notamment à travers un accompagnement dans tous les processus d'obtention de visa, passeport et billets d'avion. Et tout ceci avec une rapidité et efficacité hors normes. Pour plus d'informations, contactez-nous via WhatsApp par appel au 695 27 26 70. RM Travel, le service de qualité de rendez-vous. Oui, la seule société qui fait voyager les gens en toute sécurité, sans peur d'être escroqué. Vous savez, avec la coquille d'escargot, on fait donc beaucoup de choses. Avec la coquille d'escargot, on peut soigner les épileptiques. On peut aussi lancer l'épilepsie avec la barbe d'escargot. Donc, il soigne, il gâte. Avec la coquille d'escargot, vous pouvez décider si vous connaissez utiliser pour que vos choses aillent vite. Rien à voir avec la lenteur qu'il y a dans le monde réel. Dans le monde spirituel, il est le plus rapide. C'est le contraire. Voilà.
on peut. Maintenant, on peut aussi décider, quelqu'un qui est méchant, qui connaît ses secrets, rendre vos affaires lentes. Si manque le cadenas, c'est grave. Ça s'accompagne avec certains rites. Oui, c'est du fétichisme à l'état pur. Vos affaires vont stanner. Vous investissez des millions, vous voulez faire les choses, ça traîne. Même pour les signatures, ça traîne, oui. Avec la coquille d'escargot, on peut bloquer la croissance de vos affaires. Comme on peut aussi accélérer le processus de vos affaires. Il est comme ça, l'escargot. L'escargot aussi peut être utilisé pour ceux qui veulent avoir la langue oratoire. Il y a une solution qui est composée avec certains plans spécifiques, que c'est rien qu'avec ça que tu prends, tu bois. Généralement, les gens de l'armée utilisent les maîtres conférenciers et même certains hommes leaders religieux utilisent. Ils boivent rien qu'avec la coquille d'escargot. Oui. Les filles de joie parfois utilisent aussi la coquille d'escargot, des bains avec la coquille d'escargot spécifique parce qu'il y a la blanche et il y a la rose. Il y a un nombre spécifique. Ça compare avec certains sourates ou certains versets ou certains mots magiques ou dans certaines formules avec certains feuilles spécifiques qui est composé. Et là, ça fait sa toilette vaginale avec. Toi, elle, vous faites un. Si ça fait sa toilette, non, vous faites un. Vous ne vous séparez pas. Comme la coquille ne se sépare pas de sa chair. C'est comme ça. La coquille de peut être servie pour protéger un lieu commercial. Évidemment, la coquille dans l'angle de la boutique. On le met parfois aussi pour protéger les caisses financières, là où il y a l'argent, on garde l'argent pour que si on vous donne les vieux jumeaux, parce qu'il y a parfois qui font les vieux jumeaux, qui fabriquent, allez, ils vous donnent peut-être 50 euros, mais dès que ça touche votre argent là-bas, ça tire tout votre argent. On commence à vous accuser dans la société, pourtant personne d'entre vous n'a volé, mais c'est qui va donner un vieux jumeau qui a volé tous les autres. Oui, le monde n'est pas ce que vous croyez. Donc on fait une multitude de choses avec la coquille d'escargot. Oui. Faut que vous le sachiez aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que c'est très long la vidéo. Je ne trouve pas le but d'aller plus loin parce que je crois que je vous ai dit l'essentiel. Donc la coquille d'escargot n'est pas ce que vous croyez. On fait beaucoup de choses avec la coquille d'escargot. Il y a parmi vous ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est la coquille d'escargot. Parfois c'est enterré chez vous, vous ne savez pas. Parfois c'est quelque part dans le plafond. Quand vous dites parfois de faire des ménages, des nettoyages, ça coûte des choses comme ça. Quelqu'un veut prendre votre main, il écrit, il fait des choses, il fait des incantations, il voit un marobé, il met la coquille, il envoie la coquille dans la tête, c'est fini. On vous lave, tant que la coquille d'escargot n'est pas cassée, tout ce qu'on fait sur vous là, votre nom, s'il en même il est au moins, tout ce qu'on fait sur vous là, ça tombe que sur la coquille d'escargot, ça ne tombe pas sur vous. Vous priez, ça ne sort pas. On vous bénit, ça ne tombe pas sur vous. Vous êtes bloqué. La coquille d'escargot, très dangereux. Vous, les animaux que vous négligez en fait, dans le monde culte, ce sont les plus prisés. Rien à voir avec les panthères, les lions, non. C'est beaucoup de choses. C'est que vous pensez qu'ils sont naïfs là, qu'ils sont les plus faibles là. Si vous voyez des choses qu'on fait avec ces choses, Bref, si vous voyez des choses qu'on peut faire avec, vous n'allez pas en revenir. Avec la coquille d'escargot, on peut aussi faire le retour à l'envoyeur. Oui, on peut retourner avec la coquille d'escargot. Oui. Ah oui. Donc, Amitabha, vous, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. C'est au hommage de plus de 200 Français. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle.